Effectivement, et c'est parti pour une nouvelle édition du Flash Prono aujourd'hui. Après la CAN des derniers jours, deux nouvelles compétitions, donc la Copa América et Wimbledon. On attaque tout de suite avec la deuxième demi-finale de la Copa América entre le Chili et le Pérou. Le Chili, double tenant du titre, ils ont gagné en 2015, ils ont gagné l'édition du centenaire en 2016 et ils vont jouer la qualification en finale cette année contre le Pérou. Une troisième victoire consécutive, ce serait tout simplement du jamais vu. Alors cette équipe du Chili, elle a démarré la compétition tambour battant, deux victoires contre le Japon et l'Équateur, un peu plus dur ensuite puisqu'ils se sont inclinés contre l'Uruguay en poule. Et ils se sont qualifiés au pénalty contre la Colombie après un match sans but. Mais quand même une belle performance. En face, le Pérou, c'est clairement la surprise à ce stade de la compétition. Si on regarde bien, en demi-finale, on a le Brésil et l'Argentine, les deux plus belles nations du foot sud-américain, et le Chili, double tenant du titre. Ce Pérou, hein, qualifié après un nul contre le Venezuela, une victoire contre la Bolivie et une grosse défaite contre le Brésil, 5-0. Après, cela dit, ils ont créé la surprise en sortant du Uruguay au pénalty, mais si on regarde bien, c'est une équipe qui n'a marqué qu'un seul but contre une faible équipe de Bolivie. L'Uruguay, c'était surtout un match défensive comme ils ont l'habitude de le faire. Contre le Chili, ce sera sans doute différent. Méfiance malgré tout, mais moi je vois quand même une qualification du Chili pour la finale. Qualification cote à 1,40. On passe sur Wimbledon avec le match entre Wawrinka et Opelka. Stan Wawrinka, hein, qui a fait un bon premier tour, il a gagné contre le Belge Bemelmans en 3-7. Après, on sait que la pousse, c'est quand même sa plus mauvaise surface. Si on regarde un petit peu son palmarès, on voit beaucoup d'éliminations précoces à Wimbledon. Et là, ça va pas être un match si facile que ça pour lui, puisque en face de lui, l'Américain, c'est quand même un gros serveur. Lui aussi, il a gagné son premier tour en 3-7. On imagine un match où il y aura peu d'occasions de réussir des breaks. Donc moi, sur ce match-là, je dirais plutôt que les deux joueurs peuvent gagner un set et c'est une cote à 1,45. Comme vous le savez, jusqu'au 19 juillet, vous pouvez bénéficier pour toute nouvelle inscription sur TheBet d'un free bet de 10 euros. Pas besoin de dépôt, pas besoin de sortir les cartes bleues. Vous rentrez le code promo RDJ10 et c'est crédité sur votre compte. Pour le combi, vous l'avez compris, qualification du Chili et les deux joueurs gagnent un set entre Wawrinka et Opelka pour une cote à 2,03. Allez-y doucement sur les mises, confiance modérée aujourd'hui, mais pourquoi pas tenter sa chance. Et si vous voulez encore plus d'analyse, vous pouvez rejoindre le VIP. Donc vous le savez sans doute, 59 euros à l'année, 10 euros de cash remboursé et vous êtes abonné pour un an jusqu'à la fin de l'Euro 2020. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour ce combi et je vous dis à demain. Ciao les gars.